Et voici un cours de Vincennes pour la brocante de cours de Vincennes. C'est parti. C'est qui la personne qui est ici? Ah, ok. D'accord. Vous savez pas le prix, combien il fait par hasard? Ok. Pas plus, hein. Okay. Cela est à 15 euros. 15 euros? Oui. Ok. On refait là, là. On refait là. Comment? On refait là. Ah oui, ok, là. Ouais. Oui, madame. Vous n'avez pas de GPS 3 par hasard? Oui. Des GPS 3? Non. Ok. Ah, merci beaucoup. On fait des voitures. Ah, ouais. Wow. Bravo. Avec 15 euros. Merci, bonne journée. Bonjour, vous faites combien les jeux? Ça. Celui-là, je laisse à 8. Il vaut 39 et quelqu'un. Ouais, bon. C'est pas pour le rebond. Ça vous va, sac? Oui, merci. Celle-là aussi, pardon. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Je l'ai déjà. Ok, monsieur, merci. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. C'est combien Mega Drive? 5 euros. D'accord. Ok. Oh, ça range. Je crois qu'il y a... Elle fonctionne. Vueta... Des fois, elle marche pas, les éclairs, c'est trop pire. Changer. Normalement, ça doit aller. Je suis à 2-3 euros pour le... Ouais, c'est ça. Ouais, 3 euros. Tu dois la chercher. Tu veux un sac? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Merci. C'est bien nettoyé, bien réparé. Merci. Hein. Merci. Hein. Tu trouves un câble, tu le prends. Ouais, je trouve un câble, prends-le. Il y a plein de câbles. Ah oui, d'accord. Cherche, prends-le. Ok. Je pense pas qu'il y soit, mais bon, on va chercher. Bon, ainsi s'achève ce vide-grenier et le col en scène. J'ai la besace bien remplie, j'ai de la bouffe aussi. En même temps, j'ai fait des courses. J'ai même récupéré des trucs gratos. On va dans le compte rendu. A tout de suite. Regardez-moi, c'est beau temps. Salut et bienvenue sur la chaîne du Céréale Gamer pour un compte rendu de vide-grenier. Et là, c'est le deuxième compte rendu, puisqu'il y en a eu un ce matin à Courbevoie et un ce soir. J'ai décidé de faire à l'arrache à Cour-de-Vincennes, donc j'ai fait deux vidéos séparées. Là, j'ai un stabilisateur d'image, donc c'est plus agréable, donc j'ai accès à mes deux mains. Donc là, dans le lot, j'ai un sac rempli et il y a des choses que j'ai payées. Il y a deux petites choses que j'ai payées, je crois, qui sont vraiment très intéressantes. Et il y a des choses que j'ai récupérées à la fin de la brocante, parce qu'à la fin des brocantes, généralement, en Cour-de-Vincennes, il y a toujours les gens qui ne récupèrent pas leurs objets à la fin et du coup ils les jettent. Généralement, c'est des Roumains. Et je les ai récupérés et j'ai bien fait. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? Allez hop, on commence. Le Ocean Eleven. 3 casinos, 11 braqueurs, 150 millions de dollars. Êtes-vous prêts pour le casse du siècle? Alors, c'est un beau casting puisqu'on a George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Elle est là au plein, c'est la seule fille qu'on voit. Alors c'est l'édition cartonnée, vous savez, les Warner Bros généralement au tout début, quand ils ont sorti les DVD, c'était les seuls à faire des boîtiers cartonnés comme ça. Et après ils avaient changé quelques années plus tard, environ, je sais pas, 7-8 ans, peut-être 10 ans après, ils avaient arrêté ce format-là. C'est un format un peu comme les boîtes de chez Nintendo, vous savez, cartonnées. C'est vrai que ça s'abîme très vite. Vous voyez, il y a déjà des impacts de 2 euros. Enfin, j'appelle Carglass du DVD. Donc on a tout un lot de bonus, ça dure 112 minutes. Et c'est sorti en quelle année? En 2001. Vous voyez, c'est les tout premiers DVD de Warner Bros. Donc celui-là, je l'ai récupéré gratuitement. J'ai récupéré le Vampire Diaries. Alors ça, c'est pas mon délire. Donc si quelqu'un est intéressé par ce DVD de la saison 2 de Vampire... De la diarrhée des vampires. J'ai l'impression qu'il y a marqué diarrhée. C'est des Vampire Diaries. Donc c'est la saison 2. Moi c'est pas mon délire ce genre de série. Donc si ça intéresse quelqu'un, qu'il me le fasse savoir, on pourra faire un échange contre un jeu PS3 de la même valeur, hein. Genre un jeu de foot que j'ai pas, ou un jeu de basket que j'ai pas, ou un jeu de NFL que j'ai pas, ou un NBA 2K que j'ai pas. Enfin bref, vous avez compris quoi. Ou un jeu qui vaut pas cher. Voilà, enfin bref, vous avez compris. On passe au suivant. Alors là, c'est un jeu PlayStation 2. Alors, j'ai pas regardé dedans, je l'ai pris un peu à l'arrache. Donc, c'est le FIFA Street en édition Platinum. Donc, on comprend pourquoi ils l'ont jeté, hein. Et bah oui, il est dehors, la boîte était même pas fermée. Et il est bien dedans, c'est bien le FIFA Street. À mon avis, vu la gueule du truc, à mon avis, il doit bien t'allumer. Voyons voir. Ouais, il y a quand même une belle rayure, hein. Ouais, je regarde bien entre les pages, il n'y a pas quelque chose qui. Un petit billet qui serait resté. Bon, il est en français, c'est le numéro 53064. C'est le FIFA Street. Si quelqu'un est intéressé, genre Alex Gaming ou Sony Adventure, mais bon, le Platinum, je pense pas que ça les intéresse. Voilà, vous me contactez, on fera un échange ou je vous l'offrirai comme ça pour vous faire plaisir. Un Just Dance 15. Il y a 41 news hits, bon en fait il n'y a rien dedans, mais en fait pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai une boîte de jeux Wii U qui était en mauvais état, donc je l'avais remplacé par une boîte de Wii, donc j'avais une boîte blanche, c'était un Lego, je sais plus quoi, un Lego Marvel, je sais pas quoi, donc du coup la jaquette, je vais la tège, je vais la jeter parce qu'on s'en fout, hein. Tu vas acheter une jaquette de Just Dance 15, donc ça c'est surtout pour la boîte que je l'ai pris, dès que j'ai vu ça j'ai fait ah je prends, ça sert pour remplacer les boîtes. Voyons voir, je regarde dans ma besace, je vais prendre ça, c'est quoi ça, non on va prendre ça, c'est léger. Aïe, j'avais mal au doigt. Pareil, ça s'est récupéré dans les poubelles donc, de ce qu'ils ont jeté. C'est le 13 Days, 13 jours, Kevin Costner. Donc là on a 3 hommes, donc apparemment il ne va pas y avoir d'explosion, il n'y aura pas d'armes. Ah, ça c'est le fameux missile Satan là, de. Comment ça s'appelle? De l'autre là. Il est dedans. Est-ce qu'il est en bon état? De Poutine, voilà, cherchez le nom. Alors c'est vraiment américain. Hein. American Air Fuck You. Donc là, c'est en VF et VO, bien sûr c'est en français, le 14 octobre 62. Voilà, je vais vous tout raconter, sinon ça va être chiant. C'est sorti quand ce truc? Bon, ça dure 55 minutes, mais il n'y a pas la date, je dirais ouais, ça doit être dans les début 2000, 2001, pareil. Voilà. Suivant, allez hop. Ça, c'est le peuple. Le Pulp Fiction, c'est le Pulp Fiction avec voyons, le casting de malade, regardez tout ça, hein. Regardez-moi tout ce casting, il y a John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Hervé Kettel, Tim Ross, Amanda Plummer, ah bah tiens, Amanda Plummer qu'on avait vu dans un autre film, je sais plus lequel, Plummer parce qu'il s'est fait plumer, Maria de Medeiros, ça je connais pas, Ving Rhames, X Tolls, Rosanna Arquette, oui je connais, Christopher Walken, oui, et le fameux Bruce Willis, ben, que tout le monde connaît. Ah. Marqué quoi? Vivre de... C'est quoi ça? Vivre de gémologie. Gémologie. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. Ok, il y a toujours un petit truc. Vous voyez comme quoi il y a des surprises des fois. Je vais quand même regarder dans étrange, non, il n'y a pas de billet. Vous voyez que des fois, bah, il y a des surprises un peu. Voilà, c'est John Travolta. Hein. La jaquette est belle hein, quand même. Hein. C'est un 105.1. C'est sorti en 94, vu que j'ai vu marqué. Regardez, Palme d'Or Cannes 94. Donc peut-être 93, 94. Hein. Je ne sais pas du tout. Donc je vais récupérer la Pulp Fiction. Le Pulp Fiction. J'ai récupéré ça, un petit jeu de société, hein. C'était à poubelle, c'est Castle, bousculade et intrigue à la cour. J'imagine que ça doit être complet. J'ai cru que c'était un masque. Attendez. Non, c'est juste un sac, ouais. Oh bah il est tout neuf. Oh bah oui, il est tout neuf. Regarde-moi ça. Les cartes sont même pas déballées. C'est tout neuf. Bon bah c'est bien. Bon bah là on pourra pas dire que c'est pas. On peut pas dire que c'est d'occasion, là c'est vraiment neuf. Hein. Donc j'ai récupéré ce petit castle, ouais. Pas. Un jeu de S. Laguet et B. Feduti, ça doit être des Italiens. Château, nanana. Ouais, c'est un petit jeu de société, ça a l'air sympa. On va jouer entre amis, je sais pas, faut voir. Bon, ça va partir à l'échange ou à la revente, ça. On va intéresser quelqu'un, hein. Sinon ça aurait été détruit. Hop. Tiens. Le DVD de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Bon, j'adore Spider-Man, mais de toute façon, ils sont déjà sur Netflix. Ça me sert pas grand chose, mais je me suis dit, ça me fait un peu mal de voir ça à la poubelle. Donc je récupère, il y en avait plein d'autres que, bon, j'avais un sac pas assez grand pour pouvoir tout récupérer, mais il y en avait pas mal d'autres. Hein. Donc au pire, j'irai à, quand ça s'appelle, si ça intéresse quelqu'un, par hasard, qui regarde la vidéo, on pourra faire un échange contre un petit jeu PS3 de la même valeur, on s'en fout, 1 euro, un jeu de foot, tout ça, enfin bref. Et on pourra faire un échange ou alors bah, je le donne volontiers. Hein. Ou sinon j'irai à cash converter et puis je le revendrai. Hein. Je ferai un petit lot de tout ça et puis voilà. Après, il est déjà sur Netflix donc. Ah ça, attendez, je vais continuer avec les DVD qui étaient jetés. Ouais, il y avait ça. Il y avait ça. Les Brigades du Tigre. Sous blister, regardez ça. Sous blister. Ça, ça vaudra une blinde plus tard. Bon, c'est la saison 1, épisode 3. Ah bon, c'est quel est épisode 3? Ah, c'est bizarre. C'est une tranche. Ah oui, c'est une tranche puzzle. Quand on les rassemble, ça doit faire un truc. Ah, c'est AB. C'est AB Vidéo. C'est pour eux que j'avais travaillé à un moment. Les Brigades du Tigre. Avec Jean-Claude Bouillon, Pierre Maguelon, Jean-Paul Tribault, François Mestre. Non, c'est des noms de. C'est vraiment des noms de français d'époque. Hein. C'est bien des noms français, hein. 73-74. Bon, par contre, ouais, je déblisterai parce que là, quand je touche le blister, c'est dégueulasse. Hein. Mais c'est mythique. Donc, ça, c'est. On peut pas acheter ça. Pour moi, c'est mythique et on peut pas acheter. Ah, regardez. Je vous dis, moi, je vais regarder ça. Non, ça n'est pas trop la poubelle. On va continuer avec les trucs que j'ai récupéré à la poubelle. J'ai récupéré ça, ouais. Ça paraît bien lourd. Lettre à un tueur. Letter from a killer. Avec Patrick Swayze. Ah, c'est Patrick Swayze. On doit être sur ces derniers films. Ah non, c'est pas. Il n'y a rien en fait. Oh bah pareil, c'est un peu l'austérité, mais par contre le disque il est vachement propre. Hein. Moi, je le préfère largement comme ça en brillant. Hein. C'est quand même mieux. Hein. Donc c'est un film avec Patrick Swayze, c'est Lettre d'un tueur, c'est sorti quand ça doit être 99, ah, oui c'est ça, 99. Français, anglais, 99 minutes. Et donc. Que du 99. Acquitté par un juge, condamné par une femme. Il y a souvent des trucs avec des femmes. On continue. On a les poubelles. J'ai récupéré les Lapins Crétins, Invasion, la série télé. Saison 2, partie 1. Bon, pareil, si ça intéresse quelqu'un, si je peux faire plaisir à une personne, à un gamin ou à une gamine qui aime les Lapins Crétins, ben, je vais lui offrir. Hein. S'il y a quelqu'un qui me le dise, hein. Par contre, il faudra venir le chercher, je vais pas envoyer le DVD. Hein. Ça ne sert à rien d'envoyer directement à la poubelle. À la poste. On continue, ouais, il y a des jeux PlayStation 2, attention, c'est de la qualité, hein. C'est le PES Pro Evolution Soccer 6, il paraît bien lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans, ouais, il est dedans. Non, on sait jamais, il peut y avoir autre chose, hein. Alors, regardez, il y a les petites publicités, regardez, il a l'air content, lui, il est content, mais bon. On remet ça quand tu veux, ouais, ça va, en tout cas. Il y a, rien d'intéressant, non, il n'y a pas de billets. Bon, pareil, si ça intéresse quelqu'un, le PUS, à mon avis, ça m'étonnerait, mais bon, si ça intéresse quelqu'un, au cas où, contactez-moi. Si vous n'avez rien à échanger contre ça, bah, je vous l'offrirai volontiers. Comme ça, vous pouvez récupérer la boîte. Je pourrais récupérer la boîte. Non, vous pourrez récupérer le jeu. Faut que je pose à quelqu'un. On continue avec les jeux PlayStation 2. J'ai récupéré le FIFA 07 en édition Platinum. Il est dedans. Ouais, c'est bien le bon. Le CD, à mon avis, ouais, il est en bon état. Il y a la notice. Il y a aussi quelqu'un recherche la notice. Ouais, non, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'est pas le numéro, c'est le 54241. Et il est en français. En l'auto, on s'en fiche un peu le numéro. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. C'est des DVD Le Monde. Pierrot le Fou. Avec Jean-Luc Godard. Dans un film de Jean-Luc Godard. Ah bah oui, c'est Belmondo, putain. J'ai même pas reconnu. C'est Jean-Paul Belmondo. Il y a Anna Karine. C'est pas mon délire. Hein. Ça intéresse quelqu'un. C'est sorti en 65. Si ça intéresse quelqu'un, me contactez. Hein. Quelqu'un est fan de ce genre de collection, vous me contactez. Et ça, on va le faire après. Et après, je crois que c'est que du truc que j'ai acheté. Il y a ça que j'ai récupéré aussi dans les poubelles. C'est le SingStar Energy Music Tour. Bon, je pense que je vais donner qu'on s'appelle à l'examine. Quand je verrai, ou alors si monsieur Sony Adventures me regarde, bah, si tu n'as pas le jeu, si tu as besoin d'une boîte blanche PlayStation 2 officielle, parce que tu vois il y a la petite encoche pour la carte mémoire PlayStation 2, bah, tu me contactes et puis bah, je te la donnerai, hein. Ça fait plaisir, hop, les poussières, je peux te donner la poussière en cadeau aussi. Il y avait aussi ça dans les poubelles, il y avait le Seigneur des Anneaux, putain bah, il est lourd, waouh. Il est bien lourd le DVD là. Ah oui, parce qu'il y en a deux, c'est pour ça. Donc il y a deux disques. Alors c'est vrai que j'ai jamais accroché avec le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit tiens en même temps, pourquoi pas avant de le donner ou de l'échanger ou de le vendre. Pourquoi pas le voir avant. Je crois que c'est pas le premier celui-là. Hein. C'est le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Si c'est peut-être le premier, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Ouais 2001, je pense que oui c'est le premier. C'est le premier, donc je vais le regarder celui-là. La communauté de l'anneau. Je l'avais regardé une fois à l'époque, c'est comme Harry Potter, je l'avais regardé une fois, puis je sais pas, j'ai pas accroché, donc j'ai pas continué. J'ai jamais regardé la suite. Ça, je crois que je l'ai pas acheté. Je l'ai trouvé à la poubelle. Voilà, il est... Ouais, enfin bref. C'est Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. Un film de Michael Cimino. Ouais, Studio Canal. Bien sûr, le disque est dedans. Il est... Ah, il y a des empreintes. On pourra retrouver le propriétaire. Il n'y a rien dedans. Il y a eu 5 Oscars et c'est sorti quand? C'est sorti en 78. Donc à voir. Donc, je vous fais pas le tout speech, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Et normalement je crois que c'est tout. Après il y avait un autre truc VTech mais j'ai oublié de le ramener. C'était une petite console VTech pour enfants. Donc bon c'est pas très grave que je vous fasse pas montrer. Et normalement je crois que ça... Ah non c'est pas tout. Oui il restait ça oui. Un truc que j'ai récupéré à la poubelle. Il y avait The Intouchable avec Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro encore, bah encore lui. Et ah il y a Sean Connery. Sean Connery il est là. Le voilà il est là. C'est un film de Brigades de Palma, spécial collector édition. Bon pareil, si c'est un... Putain la vache. Ah putain je l'ai... Ah merde. Ah merde, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des encoches. Merde. Bon, bah désolé. J'avais pas fait gaffe. Je me disais c'était bizarre que ça soit aussi dur. Quel con aussi à faire des trucs comme ça. Ah je l'ai explosé le truc. Bon ça va. C'est pas très méchant, c'est surtout en bas que j'ai... Oh non ça va. Non finalement ça va. Ah bah non. Oh non. C'est bon. Ça n'a pas trop explosé. Donc c'est... Ah merde c'est... C'est même pas français. Allez. Ah c'est même pas en français en plus. Donc ouais ça va être chaud. Bon si ça intéresse quelqu'un qui me contacte, je donne volontiers. Ça peut faire plaisir à quelqu'un. Et le dernier que j'ai récupéré, alors je regarde s'il n'y a pas les encoches, c'est le Grand Torino avec Clint Eastwood. L'affiche est pas mal, elle est très belle avec le fusil à pompe là, c'est classe. Hein. Là je l'ai ouvert facilement, hop. Ah ce film là, Esther, en plus sa fille est mignonne. À voir, le film Esther c'est une fille qui s'est passée pour... Je crois que c'est passé pour une... Ouais c'est passé pour une enfant. En fait elle a... je crois elle a 25 ans et en fait elle s'est passée pour une fille de 7-8 ans. C'est un film qui est sorti en 2008. Donc ça, j'irai le regarder avant de le donner. Et voilà, normalement, c'est tout pour les DVD que j'ai achetés. Maintenant, c'est les choses que j'ai achetées. Là, ça, c'est les trucs que j'ai récupérés. Là, maintenant, c'est les trucs que j'ai achetés. Alors, j'ai récupéré le Dieu Alligator en DVD. Alors ça, l'affiche, franchement, comme vous voyez l'affiche, c'est classe. Franchement, ça donne envie de suite. Après, après, faut le voir. Hein. C'est une grosse merde. Hein. Donc, il y a le disque dedans. Je l'ai payé 1 €. Il y a un truc derrière. Hein. Je vais pas dire ce que c'est. Ah, c'est tombé. Ah, il est passé où? Ah, il est là. Hop. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être le prix. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est le dieu des alligators. Bon, il n'y a pas de personnalité connue qui a joué dedans, je pense pas. L'horreur surgit des profondeurs. Version française, sur l'arbitrage, et c'est sorti en... Il n'y a pas de date. Je ne vois pas de date. Si des fois vous connaissez la date, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Hein. Voilà, ça c'était le dieu alligator que j'ai payé 1 €. Avec ce film là, hop, non, cette série plutôt. J'ai vu à l'époque sur France 3, ceux qui le connaissent. C'est Terence Hill dans Lucky Luke, la série. Donc je l'avais vu à l'époque sur France 3 et du coup bah je l'ai trouvé en DVD donc parfait. Je l'avais même enregistré en cassette vidéo, je me rappelle à l'époque. Lucky Luke, la série. Je me rappelais pas que c'était la série. Je me rappelais pas que ça s'appelait la série par contre. Hein. Un seul homme peut ramener la paix à des États-membres. C'est-à-dire 53 minutes. Français, 2.0, format 4/3. Donc ça c'est très bien. Je suis très content d'avoir récupéré ça pour 1 €. Après, qu'est-ce que j'ai récupéré l'autre? Hop, on va passer à ça encore. Enfin, la plupart c'est que des DVD. Alors ça on va regarder pour après. Parce que ça c'est le meilleur pour la fin. Donc j'ai récupéré ça. C'est pas encore Noël mais bon. C'est le Père Noël contre les Martiens. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Avec Piazza Dora. Donc ça doit être un truc italien. Santa Claus Conquers the Martian. d'après l'histoire de Paul L. Jacobson. Scénario Glenville Maret, réalisation Nicolas Webster. Martien kidnappe Santa Claus. C'est des scénarios rocambolesques, ça a l'air... franchement, ça a l'air pas mal. Franchement, moi ça me tente. J'ai hésité dans la... Merde. Vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai hésité à le prendre, hein, normalement. On le voit dans la vidéo. J'ai vraiment hésité à le prendre, et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai pris. Donc c'est tout un... Ouais, il y a quand même pas mal d'acteurs. On dirait, quand on regarde les images, on dirait du Doctor Who. Regardez-moi ça. On dirait Doctor Who, le truc. Là, là. Franchement, on dirait un truc de Doctor Who. Les aventures de Superman, en bonus. Épisode pilote, dessin animé en couleur et VF, d'une durée de 10 minutes environ, de 1941. Ce boîtier est en super bon état. Je l'ai payé 1 €. Pareil, dans le même endroit, j'ai récupéré ce DVD. Ça, c'est pourquoi je l'ai pris ça, parce que regardez, c'est Courtney Cox. Franchement, la voir là-dedans, dans Blue Desert, Courtney Cox dans Blue Desert, franchement, c'est incroyable. Je savais pas qu'elle avait joué dans ce film-là, hein. Dans un film comme ça. Bon. Là, on voit un flic en sang, on dirait un zombie. Il a planifié de la torture. Blue Desert, version française, zone 2. À voir, franchement, j'étais curieux quand j'ai vu, j'ai reconnu sa tête directe, et Courtney Cox, c'est celle qui joue dans Friends, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est une série télé américaine qui est sortie en 1995 et qui s'est terminée en 2001 ou 2002. Non, 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 je dis en 2000. Non, il y a du 10 saisons qui s'est terminée en 2005, pardon. Une connerie. On dirait un CD de PC. Il y a un CD PC comme ça qui avait la même couleur. Donc, à voir. Donc j'ai pris vraiment parce que j'ai vu Courtney Cox et je voulais en prendre d'autres, mais après j'ai hésité et puis en plus on était à la fin de la brocante, donc j'ai pris ces deux DVD là, donc ceux-là je les ai achetés, c'est sûr. J'ai récupéré la poubelle, j'ai récupéré cette petite télécommande, je sais pas ce que c'est, créatif, il y a un petit écran dessus, je vais le mettre en charge, c'est le même port que la manette PlayStation 3, on va voir, je vais le charger, je vais un peu nettoyer, puis je vais vendre ça en 8 Go. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc pour écouter de la musique. Une sorte de AirPod version créative. Je sais pas. Bon, ça pourra peut-être servir à quelqu'un. Donc je l'ai mis en vente. Bon, après, j'ai récupéré ce petit truc USB. C'est du USB-C. C'est le même format que les manettes PlayStation 5. Et parce que oui, maintenant, les manettes de PlayStation 5, voilà l'embout maintenant. Les manettes. C'est ça. C'est de l'USB-C. Hein, vous voyez? C'est les mêmes formats que certains portables Samsung, il me semble, que les manettes PS5 et que la Nintendo Switch. Par contre, ne pas mettre sur la Nintendo Switch. Hein. Ne mettez pas ça, ce câble-là. Alors, je tiens à préciser une chose parce qu'il y en a qui vont faire l'erreur. Ne mettez jamais ce format-là, comme ça, en USB, sur une Nintendo Switch. Sinon, vous allez la cramer. Hein. Donc, là, il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Et là, on va passer à des petites choses que j'ai récupérées. Bon, c'est plus ou moins intéressante. Je l'ai négocié parce qu'elle en voulait direct 10 €. Hein. Elle m'a dit 10 €. Mais je ne l'ai pas filmé, ça par contre. J'ai pas eu le réflexe de la filmer. C'est une Nintendo DS Tank. Bon, elle est bien amochée. Elle est dégueulasse. Mais, est-ce qu'elle va fonctionner? Là, j'ai pas le chargeur pour l'instant. C'est le même chargeur que la Game Boy, donc la Game Boy Advance SP. On essaiera ça. Il n'y a pas de cartouche Game Boy. J'ai même pas regardé. Tiens, il n'y a même pas de cartouche DS. Et je crois qu'il n'y a pas de port. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore. C'est pas ça. Donc à voir. C'est une DS Tank bleue. Je pense que ça doit fonctionner. Maintenant, j'en suis pas sûr à 100 %. La charnière, elle est un peu pétée ici. Elle en voulait 10. Moi, elle m'a dit, t'en veux combien? 2 €. Il a dit oui. J'ai vraiment à négocier sec. Hein. Parce que là, la charnière était pétée, c'est même pas sûr qu'elle fonctionne, regardez comment elle était dégueulasse. Il va falloir que je la nettoie à fond, là, c'est mort, moi je la laisse pas comme ça. Peut-être que je ferai l'objet d'un crash test de tout ce que j'ai récupéré, tiens. On fera peut-être l'objet d'un crash test. Parce que là, j'ai récupéré un autre truc que je vais crash tester aussi, mais il faudra que j'ai plusieurs choses pour crash tester, parce que si je fais qu'une seule vidéo avec un seul objet à chaque fois, ça va être un peu chiant pour vous. Et une autre chose que j'ai récupérée, mais je crois que je l'ai filmée. Vous avez pu... Oh, tiens, elle est lourde, hein. Ah, je m'aperçois qu'elle est vachement lourde, hein. C'est une Mega Drive 1. Le bouton, par contre, À mon avis, là je le sens direct parce que moi je suis spécialiste en réparation de ces consoles là. Donc Mega Drive, Super Nintendo, bon, plus Mega Drive, Game Gear et Game Boy. Et bon, un petit peu Super Nintendo, mais bon. Vous voyez, ça a été repeint, le bout était repeint, donc il va falloir que je la nettoie. Donc, on va procéder au nettoyage de tout ça, mais à mon avis, il y a de la rouille là-dedans. Vous voyez, ça, à part l'ouvrir, à mon avis, ça fonctionne pas. Je suis quasi sûr à 100%. Je m'y connais très bien. Hein. Et les deux dernières choses que j'ai récupérées, voilà, c'est tout là. Les deux dernières choses que j'ai récupérées, c'est ça. Un FIFA 11, un FIFA 15, mais j'en avais déjà acheté. Je suis con, merde, putain, qu'est-ce que je suis con. Pourquoi j'ai acheté un FIFA 15? Putain, j'en ai déjà acheté. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc ça? Il manquait la notice des FIFA 15. Maintenant je l'ai. Super. Et regardez ce qu'il y a. Ah, Dragon Ball Racing Blast. Vous vous rappelez pas, il y a quelques temps, bah, c'était la semaine dernière, j'avais récupéré la boîte du Racing Blast. Et à l'intérieur, c'était un autre jeu Dragon Ball. Et bah maintenant, c'est complété. Voilà. J'ai pu le compléter, bon le CD est un peu cracra, mimi cracra, d'où elle aime ça. Ouh, il y a un impact ici. Je sais pas si ça va fonctionner. Ah non, c'est bon, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Donc la dernière fois, j'avais récupéré, bah, justement avec Nicky Larson et XYZ, j'avais récupéré à Javel, je crois que c'était vers Javel, j'avais récupéré, oh là, ça a du mal à rentrer, j'ai pas forcé pour pas le casser, j'avais récupéré la boîte du Dragon Ball Racing Blast. Et à l'intérieur c'était Dragon Ball, je sais plus quoi, Tenkaichi. Donc du coup maintenant, bah, je vais pouvoir compléter ça. C'est le numéro 693. Donc bah, j'aurais dû prendre la boîte et vous faire montrer, mais là je ne l'ai pas sur moi. Attendez, je regarde, est-ce qu'elle est à côté de moi? Non. Non, malheureusement je ne l'ai pas à côté de moi. Et du coup j'avais pas la notice du, quand ça s'appelle, du FIFA 15, et bah maintenant je l'ai. Et la boîte, bon bah ça servira franchement pour l'envoi parce que elle est pétée. Ça sert à rien. Et la dernière chose qui est très intéressante, c'est, et que beaucoup de ratisseurs vont rager, parce que à mon avis ils ont dû faire la brocante très tôt le matin, et ils sont passés à côté de ça, regardez ça. Le Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Alors la dame, je sais pas si je l'ai filmé, normalement oui j'ai filmé. La dame, elle voulait 8 €, je l'ai négocié à 5 €. On était à la fin de la brocante, je lui ai dit 5 €, elle dit oui. Elle me dit, ouais, ça vaut 39 €. C'est vrai que ça cote un petit peu, ce jeu-là cote un petit peu, parce que c'est un Budokai HD. De toute façon, tout ce qui est HD collection sur la PlayStation 3, ça cote maintenant. Et ça, je pense que ça va continuer à monter. Moi, à vrai dire, maintenant, avec la PS5, à mon avis, ils vont tous sortir en démat. Enfin bref. Du coup, je l'ai payé 5 €, elle en voulait 8, donc elle a dit oui. La boîte, par contre, elle sera changée parce que je crois qu'elle est un petit peu pétée. Hop, il y a un petit code, bon, on s'en fout, de toute façon, le code, on s'en balance. De toute façon, c'est registre game. Ouais, on s'en fiche. De toute façon, ça va être périmé aujourd'hui. Et le CD est en parfait état. Alors là, c'est la petite pépite de Cour de Vincennes. C'est la petite pépite. Là, faut l'avouer. C'est la petite pépite que ben, tous les ratisseurs ont loupé. Alors après il y avait des jeux Master System, mais le mec il a demandé 20 € pièce. De toute façon j'avais pas assez d'argent pour payer les jeux, et puis 20 € pièce, ça me faisait un peu mal aux fesses. Et je crois qu'il les a gardés encore, donc s'il les a encore, ça veut dire que c'était pas des jeux qui valaient non plus une grosse fortune. Hein. En plus il y avait, sachant qu'il n'y avait pas les notices, et on sait pas s'il fonctionne réellement, donc et par contre il va nous dire que ça fonctionne très bien, mais bon, ça on n'est pas sûr. Voilà pour ce compte rendu, tout ça récupéré, donc ça fait bien une trentaine de petites choses, hein. Des DVD, plus moi les jeux, il y a ça que j'ai payé, il y a la DS, il y a le ça, il y a ça, et il y a ça, et ça, voilà, tout ça j'ai payé, et tout le reste, ben, je les ai eu gratos, hein. Ouais c'est ça, c'est tout le reste, après bon je vais pas tout mettre parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, donc j'ai dépensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 € à peu près. Ouais j'ai dû dépenser à peu près, ouais c'est ça. J'ai dû dépenser 13 € tout ça. Et le reste eh ben, c'est cadeau que je trouve dans la poubelle. Merci d'avoir regardé ce vide-grenier live, ou un bon compte live plutôt, sur Cours de Vincennes. J'espère que cela vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je tenais à vous remercier parce qu'on est déjà 100 abonnés. Merci à vous. On est déjà 100 abonnés. On va essayer d'atteindre maintenant les 1000. Hein. Bon, déjà les 200, 300, 400, 500, 600. Et on va essayer d'atteindre les 1000. Hein. C'est quand même pas mal. Ça montre, là en ce moment, c'est bien monté. Les vidéos commencent bien à monter, même si c'est pas ouf. Mais ça commence bien à monter. Donc je tenais à vous remercier. Merci de vous avoir abonné à ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être pas pour la vide-grenier, parce que là il faut que je me repose un peu parce que j'ai beaucoup dépensé. Je vais faire peut-être autre chose à la place. Je vais trouver des petites idées. Peut-être un crash test des consoles que j'ai récupérées. Oui, c'est vrai qu'il y a la Mega Drive. J'ai oublié. Mega Drive, donc ça fait 14, 15, 16. Je l'ai payé 3 € la Mega Drive. Donc ça fait 16 € dépensés. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, de mettre la petite cloche, j'ai oublié de le préciser, hein, comme ça vous aurez les vidéos, généralement c'est le samedi et dimanche, mais des fois il peut y avoir des lives jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo, et du coup n'hésitez pas à mettre la petite cloche, merci, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à la prochaine, ciao.